Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'en ai pas mis, mais je m'en excuse, c'est que je pouvais pas trop faire de vidéos, même si ça fait ça doit faire au moins 7 mois que j'ai pas mis de vidéo, mais c'est pas ma faute. Je ferai là j'ai décidé d'essayer de faire le plus possible de vidéos, mais ça sera pas le let's play sur comment ça s'appelle, sur Pokémon Argent Soul Silver, parce que je peux pas filmer trop longtemps, et 15 minutes c'est pas beaucoup. Donc je vais faire des vidéos de combat sur n'importe quel combat que j'ai gagné ou que j'ai perdu. J'en ai tellement fait de combat que je sais même plus si j'ai gagné ou j'ai perdu, donc j'ai tous voulu mettre. Celui-là, je sais plus ce que j'ai fait. Peut-être que je vais m'en rappeler quand ça commence. Et puis voilà, j'espère que ce combat vous plaira. On va le regarder et j'espère que vous allez commenter, vous abonner et tout pour que j'en mette plus. Pour me redonner envie de refaire des vidéos. Bon, allez, c'est parti, on va mettre le match. Alors. Ah ouais, ça y est, je m'en rappelle. Vous allez voir, j'étais un peu dégoûté. Voilà, il a la ceinture force. Je savais qu'il a, voilà, je savais qu'il allait me faire toile brillante. Alors au début, j'avais pensé qu'il allait switcher ou quoi, mais non, je me suis fait un peu avoir. Et là, il retire. Là, je pensais le battre, mais non. Pourtant, façade, cran et tout, donc... ça aurait dû le battre. À chaque fois, il retire. Là, par contre, je crois qu'en un coup, je le bats. Un ou deux coups, je sais plus. Ouais, deux coups. Là, encore un, je le bats, normalement. Si j'en rappelle bien. Voilà, un Pokémon de mort. Je sais même plus si je l'ai gagné ou pas. Je sais plus. Bon, je verrai bien avec vous. Donc là, je crois que j'ai décidé de changer. Ah non, même pas. Ah oui, parce que je pensais que j'étais plus rapide que lui, en fait, non. Là, je crois qu'il va changer. De toute façon, Torterra, il n'est pas très rapide, donc on va foutre un peu. Voilà, il change. La voix exagère. Et là, je me suis... ouais. Là, j'ai senti la petite attaque de glace. Donc, j'ai envoyé Krabos. Parce que sur Krabos, j'ai Casse-Brique et Éboulement. Même si mon Krabos il n'est pas très fort en attaque, en défense spéciale quand même. Éboulement. C'était un risque quand même parce que j'aurais pu le rater. Et là j'étais un peu fichu. Là je crois que j'ai résisté mais vraiment pas beaucoup. Ah non, même pas. Je crois que tiens, je l'ai battu avec qui alors? Ah oui, il s'est mis à bras. Mais je crois qu'il change là. Ouais, je savais. Dommage avec la toile gluante, il a perdu en vitesse. Et je crois que ça va m'être fatal. Il a 172 ou 175 de vitesse. Et là par exemple je perds. Ouais, là je perds. En tout cas c'est ma brasineur. Moi c'est ma brasse, c'est un de mes Pokémon préférés.
Je sais pas c'est quoi vous votre Pokémon préféré. Bon là aussi Symbiose, je m'en fous, il a 52 vitesse, donc c'est pas grave si je perds de la vitesse. Et là, il me fait laser glace, mais j'ai une défense spéciale de ouf. Ou même si je perds beaucoup, mais il a une très bonne défense spéciale. Là je tac un peu avec Mino Canon. Dans le bas là. Là je refais le Mino Canon et il est fini. Là je crois pas qu'il me bat. Ouais mais il me fait tomber le reste. Il me fait que de fer. Moi j'envoie un petit save. Là aussi j'ai fait une faute. Mais boum il me fait un point de feu. En fait je pense que j'aurais pu faire synthèse, parce que j'ai synthèse, piège de roc, séisme et marteau bois sur ce Torterra. Ben là je vais faire abri pour que l'effet de la méga gemme. Parce que quand on les méga évolue, ils prennent pas direct. Comme là par exemple, ils gagnent de la vitesse et de l'attaque, mais ils prennent pas au premier tour. Ils prendront au deuxième tour, donc c'est pour ça que je fais abri. Mais il est quand même plus rapide, ça fait le truc. Il a pas fait long feu derrière rien. Non, je crois que c'est mon dernier. Je sais plus si j'ai. Moi, je crois que j'ai perdu. Ouais. Ah ouais. Attendez, je sais plus s'il me reste un Pokémon. Mais ouais, j'ai perdu. Bon, ben. J'espère que ce combat vous aura plu. Si vous avez quelques conseils à me donner, je les accepterai et tout. Je verrai pour m'améliorer. C'est pour m'améliorer. Si vous avez quelques conseils, dites-le moi dans les commentaires. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah, abonnez-vous, aimez la vidéo. Et puis, donnez-moi vos avis sur cette vidéo. Voilà, merci.